Bonjour les amis, on se retrouve sur Fable 3 cette fois-ci. Parce que Fable 4 sort sur Kinect, et sur Kinect j'ai pas, et ça me saoule. Donc, on se retrouve sur Fable 3. Fable 3, Fable 3. Et j'ai une image de Creeper qui déploie sa face à l'envahisseur. Non, c'était nul. Ce terme m'a vraiment dit. Donc, je vous présente déjà la map. Donc, je vous présente déjà le début. Alors, vous êtes un simple prince qui, à cause de votre frère, vous a renvoyé de chez vous. Donc, le but, c'est de buter votre frère et monter sur le trône. Ah, vous pouvez être super gentil, mais comme super méchant aussi. Là, je suis à Dwingwolf. Donc c'est sur Minefield en fait. Vous allez dans Minefield si vous voulez savoir. Normalement, si je me souviens bien, c'est par où. Bon, en tout cas, vous avez un petit ponton qui vous ramène là-bas. En gros, c'est ça. Mais là, vous pouvez pas le voir sur cette map. Vous avez plein de trucs. Alors moi, j'ai fait les égouts, les nains sont devenus méchants, la plume puissante, contrôle des nuisibles. La dette, l'homme qui s'est juste tambour de river. Alors attends, celle-là elle est bien. Posez les livres à sa place de l'académie. Non. Une bague retrouvée, un deuil, quête rationnelle, bon ça on s'en fout. Donc voilà, moi je suis ici. Donc voilà, oh il y a une putain de clé d'or. Donc voilà. Bon, c'est cette putain de quête. Alors, vous voyez l'argent là, qui défile comme ça. J'ai acheté tout. Tout est à moi. Alors, après, ce qui est pas à moi, je les vole. Donc, c'est sûr, un bateau, ça va pas être sur la terre. J'aime bien fouiller les bateaux. Y a rien dans un bateau. Alors ça normalement c'est la tour du deuxième. Alors c'est la tour où vous allez et vous deux, à la fin vous avez un choix. Ça vous devenez super gentil. Vous pouvez ramener votre chien à la vie. Vous pouvez gagner des tonnes et des tonnes d'or. Bon moi facilement des tonnes d'or. Donc voilà. Et là c'est au début de celui-là qu'on a un choix. C'est soit tu tues ta fiancée, soit tu tues un groupe de personnes. Oh là il y a un prof. Bon bah moi en fait j'ai tué les gens. Parce que la fiancée je voulais bien faire des trucs pas très propres avec. Parce que, en fait c'est la seule belle fille du jeu. Sinon les autres c'est tous des vaches. Non, pas des vaches. Des moches. Non, pas des moches. Pas du ragoût, mais presque. Je sais pas, ils ont tellement une grosse gueule, mais... putain, on dirait une grosse pouffe, mais... tout ce qui t'intéresse, non. C'est ta fiancée, elle est limite encore. Mais ça va. Putain... On va voir. Qui veut faire un câlin? Oui. Tout le monde aime les câlins. Y avait que ça?
Et donc voilà, vous avez un truc qui monte tout en haut. Oui. Voilà, vous avez sauté. En vrai, vous mourrez, mais parce qu'on est dans un jeu, alors vous inquiétez pas. Là, il y en a deux là encore. Copinou. Voilà, il tombe dans l'eau, il meurt. Ouais, creuse, mon chien, creuse. T'as trouvé quoi? Oh, une saucisse empaquetée! Eh non, c'est pas une saucisse empaquetée. Et voilà, vous allez gagner 300, ce qui vous aidera beaucoup pour faire une quête. Il y en a d'autres. Ah oui, rien que hier soir, je viens de regarder le dernier Eurobeat pour ma 5e fois. Je commence vraiment à l'apprécier ce film. Oh là là, t'es nul. Pas un petit truc par là, non? Non, j'ai pas une petite clé, un petit coffre, non, même pas. Tu fais chier. Par contre, il y a une clé d'or. La clé d'or, mon gars, si tu la récupères, vu que t'as plein de portes d'or, t'en as au moins 3 dans ton cul. Donc, voilà. Alors, une porte d'or, ça t'aide à avoir des armes. Ce qui est strictement nul, parce que j'ai un flingue qui fait 59 de dégâts. Et une épée que j'ai récupérée dans un petit coffre de merde qui fait je sais plus combien. 50 parce que c'est. Mais tu veux quoi mon chien? Toutou. Trésor. Oui, il est où le trésor? En dessous. Ah oh, mais j'aimerais bien voir ce qu'il y a là-haut. Ah ouais. Oh trésor. Je vais encore me récupérer une putain de perle. Ah bah non, un diamant, c'est encore mieux. Il y a un diamant, ça coûte même pas le 3 quarts de ma mais même pas. Ça coûte même pas. Ça coûte 2664, un truc comme ça, mais ça vaut rien. Putain, je sais pas, il pourrait pas faire un truc utile. Vous avez gagné des nouveaux habits. Non, ça c'est pas possible. Je vais me taper un coffre de merde. Encore le diamant ça va, mais la perle c'est le pire. C'est que ça vaut rien. Quand t'auras fait tous les trésors, tu m'appelles. Moi j'adore comment il saute dans le vide. Ok. Maintenant je fais quoi? Ah je me fais l'île en face. Mais le mec il nage super trop vite. Non, tu invites pas des squelettes copains, ok? Voilà, en gros, on n'a rien fait. Ah! Tu vois ça? Truc bâtard! Il faut un pont! Enfoiré de ta tuuuut! De ta. Putain! Léov, c'est pas grand chose! Encore une balverine, ça va! Mais pourquoi ils t'ont pas mis des putains d'orques? Ou même un gros balcerque, un berserk. C'est un truc bien gros, bien chiant à buter. Comme avant. T'avais des trucs qui te sortaient de la terre. C'était intuable, mais c'était trop drôle parce que tu t'amusais là au moins. Tu t'amusais. Là, tu divagues. Ouais, c'est vrai.
C'est une meuf maintenant? Non. Oui. Vous avez réussi. Maintenant, si on retourne à nos roulins, elle devrait flotter, non? Oui, je suis sûr que ça va marcher. Le mec est complètement con. Une roulotte, ça ne flotte pas. Ouais. Voyons. Les meufs, c'est des cruches. Voyons. Elle ressemble à rien. À rien. Même les mecs, quoi. Ils ont des dreads. J'ai pas une coupe. Regarde, je vous montre. Est-ce que j'ai une coupe? Attends. Parce que tu fais pas partie, moi. J'ai pas de cheveux. Je suis méchant, je suis rouge. J'ai pas envie. Oh, poulet. 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 Qui veut du poulet? Poulet. 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 Et je vous laisse sur ce poulet volant. A plus et à une prochaine fois. Putain de poulet.